各位观众，大家好啊！我是中文老师，我姓朱，我叫朱立行，我的英文是 Leo 啊，所以我是 Leo 朱。很多学生看到我第一句话就用英文的习惯说"你是猪吗"，这时候我会告诉他们"你是猪"跟"你是朱老师"是不一样的，因为"你是猪"是猪肉的猪，我不是猪，我是朱老师啊！所以很高兴认识你们大家。那我现在教中文教了7年，一共有8000个小时的教学经验。我教了25个国家的学生。I'm Fija, and I'm a Taiwanese, and I'm actually an English teacher now and Chinese teacher, but not for native speaker. I used to teach Mandarin to who's not native speaker, in Canada and in Taiwan. But the pay is so less, so I actually teach English now. But I'm still working on this. If any case, like tutor case in Mandarin lesson, I'll still take it. Yeah. I've taught Chinese in several different schools, in Taida, NTU Language Center, and also.After that, I went to Mexico, so I've also taught in several private Chinese schools in Mexico. One school called Ni Hao. In Mexico, the only word they know, Ni Hao. Yeah. And after that, I came back to Taiwan and started working for the private technical school, Longhua Keji Dashue.J'enseigne depuis 2 ans en France, le chinois, en Dordogne, à Périgueux. Des collégiens et des lycéens, 4e, 3e, 2e. En France, l'enseignement du chinois officiellement se fait en chinois simplifié. Mais ce qui n'empêche que, bien sûr, pour certains caractères, on peut les donner en non simplifié, en caractère traditionnel.C'est le pinyin, oui, qui est utilisé. Donc la romanisation, système mis en place dans les années 50 en Chine. Pinyin is what we use for Chinese teaching. No matter in Taiwan or China, we all use pinyin. In Taiwan, sometimes, it depends if I know that the students will stay in Taiwan for a long time.Like if there are college students who are staying for at least 4 years, I would teach Bopomofu as well. Also, foreign students told me they prefer Bopomofu because when they see a new symbol, they have to start to learn the pronunciation from the beginning. So they wouldn't they wouldn't confuse with thepronunciation of English or French or other their own languages. So like if American people see pinyin, they might say pronounce it in a English way. But when you see bopomofu, then you have to pronounce in Chinese. 第一个是最难的是发音，因为其实学过中文的外国同学都知道，其实中文的文法是比较简单的，然后它也没有动词或是一些这些的变化没有那么多，可是重点是发音实在是太像了，比方说香蕉banana 跟青椒green paper 大家都弄不清楚，香蕉青椒，或是说先生Mr. 或是这个学生 student 这个很多学生常说我的学生，我说你有学生吗？你是老师吗？他们要说的是 my husband。 对，所以这个发音的方面他们会觉得没有办法分清楚四声。 Les Français ont peut-être plus de mal que d'autres nationalités, les francophones, à travailler les tons, à prononcer correctement les tons. C'est dû certainement à la prosodie française, et puis aussi peut-être parce que les adolescents français font peut-être moins de musique, l'enseignement de la musique est moins peut-être développé, c'est une hypothèse, mais que dans d'autres pays.
I can use some suggestion, like memory clues, like you remember when you say fourth tone, like 生气, you know, 妈妈骂你, and the second tone is kind of like a question, so I suggest when you hear, we pick up the phone and say, 喂, 你是谁? So you remember, 喂, 哈? So it's the second tone. And the first tone is flat, so I say it's like singing, And sometimes I push my student to talk to my friend. I will invite my friend because I'm the teacher. I'm very sensitive about your sentence. Even you say the tongue so messy, I can still recognize. So sometimes my friend will help me. They will show up in our class and chat with my student. Yeah. They hate that. Ce qu'on nous demande en tant qu'enseignant, c'est justement de bien, de bien séparer l'apprentissage de l'écrit et de l'oral. Effectivement, ça pourrait être, on pourrait imaginer que ce soit des professeurs différents hein, qui enseignent l'écrit et l'oral. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à les faire progresser quand même à l'écrit, tout en quand même privilégiant l'oral, parce que c'est quand même là où il y a le plaisir le plus immédiat. Hein, et puis, sachant également par ailleurs que maintenant, avec toutes les ressources Internet, et que les Chinois eux-mêmes écrivent beaucoup moins qu'avant, que certains logiciels ont en quelque sorte sauvé l'écriture chinoise. 台湾的小孩子他们已经学中文，可以说，他们在妈妈的肚子里面就已经听到爸爸跟妈妈说话了，所以他们一出生就已经会说会听中文了。那他们到小学上一年级的时候，基本上是认识字。那么可是外国人来到台湾或是来到中国这个地方，他们是字还有这个发音都完全不会。 所以对他们来说会特别困难。那我们的做法是，因为我刚说了，真正的孩子出生的时候是先会听，先会说中文，然后才会读跟写。所以我们就没有要求学生要一次听说读写都一起来的话，外国同学们会非常的辛苦跟很累，这是一个很大的挑战。所以我们希望是他们先学会听说。 那只要发音抓到了，那中文的文法是很容易的，那很自然就会开始交谈。那学到一个程度的时候，再来学这个写字跟认字，可能会比较好。I think yeah, it's better to have the practice at least 30 minutes a day. From my experience, I study a language at least 6 hours per week to have some improvement. Usually I don't suggest students to take only one class per week because many students say, I want to take 2 hours per week. Actually that's difficult for them to improve because you just study for 2 hours and then you forget. For starter, I think the learner need to do that every day, but not that long. The beginning of the day and the end of the day, twice a day, longer than 3 months. Donc il y a 3 heures, hein. Ils ont trois heures. 3 heures par semaine. Et il faudrait au moins que, enfin. Des jours différents. Forcément sur 3 jours différents. Donc 3 jours par semaine et avec un travail personnel de quand même minimum 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par semaine. Ils persévèrent davantage en fait quand ils commencent en seconde, parce qu'ils ont davantage de maturité et que c'est davantage aussi un choix personnel. En quatrième, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent le choix des parents.
où en fait le chinois devient ce que était l'allemand il y a de ça 20 ans, la langue de référence. Mais oui, certains évidemment, surtout quand ils ont eu l'occasion de venir en Chine, certains bien sûr développent un réel intérêt pour le chinois. Why I know is because they have girlfriend or boyfriend and who is speak Mandarin. That kind of situation never learned very good. Yes. One of my students, because he want a better job in China, so his motivation is pretty strong too. And the others, like he just want to get into Taiwan's life, so you will learn the conversation, but not more than that most of the time. But the difficult part is it's hard to raise the level of Mandarin. 中国有13亿人，你很多人学中文的目的是要去中国，那你要跟中国13亿人沟通，那你当然是要学他们的话跟他们的方法。可是中国有很多地方有不同的方言跟口音啊。那么以现在来说，台湾的生活是比较接近欧洲跟美国的生活啊，所以在他们真正了解中国的生活以前，先来台湾啊，做一个中间的一个比较。那台湾是很有人情味，很会去照顾别人的一个地方，让他们感受到一下传统的中国是什么，再了解一下现代的中国是什么。我觉得来台湾学习是一个很好的经验。Après, sur l'intérêt d'apprendre le chinois, même si on ne l'utilise pas, c'est quand même une ouverture intellectuelle sur une civilisation, bien sûr. Totalement différent de la nôtre, et c'est aussi un excellent exercice intellectuel et cognitif d'apprendre et à la fois le latin et le chinois. Ça donne un éventail de ça permet une réflexion sur ce qu'est la langue qui permet d'apprendre par la suite beaucoup d'autres langues, je pense.当中文老师最开心的事情就是你可以接触到全世界各地各种不一样的这个学生，他们来自四面八方，而且用他们自己的话说他们国家跟文化的故事，好像你在很远很远的地方有一个很要好的朋友，他告诉你他的心事。因为以前我们对美国对英国都会有一个我们说刻板印象，我们是从书上面、从杂志上、从电视上从别的地方去了解。当我们自己到那个地方去旅行的时候，我们是一个观光客，我们都是看到最好、最漂亮、最棒的地方，那不是一个真正的那个地方的文化。那每一个地方都有他们的困难，都有他们的一个很有智慧的地方。那经过这些过程当中，我在跟学生们聊天的时候，也好像在跟他们做朋友。那他们就会用他们的话来告诉我们，比方说我们会了解到说，喜欢台湾的人会留在台湾，不喜欢台湾的人都离开台湾了。同样的，这些外国人，从日本来的日本人，他们有些人不喜欢日本，所以他们来到台湾，所以又讨厌澳洲的澳洲人，讨厌美国的美国人。那我觉得，怎么可能？美国跟澳洲是这么棒的地方，你们在抱怨什么呢？那你从他们听到这种真正的故事，不是报纸上，不是媒体上告诉你的这些东西，你觉得哇，好有意思！你终于了解每个地方都有他们自己的一些问题跟困难。那你重新看看自己的国家跟地方。好像也没有什么好抱怨的，因为他都看到我们的好，我们自己看到自己的坏，他们看到自己国家的坏，我们看到他们的好，我们就了解到说，其实好坏都差不多。